Nous avons tous été secoués, bien sûr, par la dévastation causée par les inondations des derniers jours, mais également des dernières semaines, que ce soit ici à Montréal ou ailleurs au Québec. On le voit bien à la télé. Hier, j'étais en visite sur le terrain et j'ai pu constater les dégâts, et c'est quelque chose. Mais j'ai également pu constater toute la solidarité et le travail acharné des bénévoles, des résidents, des pompiers, des policiers, des cols bleus, puis également de l'armée. Ah, et sans oublier les équipes de la Croix-Rouge. C'est pourquoi j'invite mes collègues du Conseil, ainsi que les Montréalais qui ont la capacité de le faire, à faire un don à la Croix-Rouge pour soutenir les sinistrés qui, on le sait, ne sont pas au bout de leur peine. Je tiens également à saluer le travail de mes collègues du Conseil qui, selon où ils ont été élus, sont touchés de plein fouet. Ils soutiennent leurs citoyens dans cette épreuve difficile. Alors, et ça, c'est tout parti confondu, bien sûr. Il y a M. Chitilian, il y a M. Bays, mais j'aimerais également saluer le travail de Mme McIntyre et M. Marinacci, qui n'est pas ici avec nous, et de son équipe en arrondissement.